Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, une vidéo réaction, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, surtout sur Fortnite. On va réagir tout simplement au meilleur move des glissades. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses, des moves assez incroyables. Il y a du Raider, il y a du Awards et plein d'autres personnes que vous connaissez pas, peut-être même du Brux et même des astuces que, waouh les gars, what the fuck. Et je pense que vraiment, les glissades vont apporter un tout renouveau sur Fortnite et on est vraiment qu'aux prémices, qu'au début de ce qui peut arriver, des mécaniques et tout. Je pense que ceux qui vont prendre de l'avance sur ça vont vraiment avoir une grosse avance sur la compétition. Bref, trêve de blabla, juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à t'abonner à la chaîne YouTube. N'oublie pas le petit code créateur Cocteau, bref, bon visionnage. On commence directement les amis avec Raider 464, on ne le présente plus, on le connaît. Sliding.exe, new move, honnêtement, waouh, quel joueur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est vraiment trop fort. Donc là, franchement d'ailleurs, j'ai appris que... Alors attendez, petite pause, j'ai appris qu'à ce qui paraît, alors il faudrait que je vérifie sûrement vérifier ça en live, que quand tu glisses par terre sur un sol plat ou que tu cours, tu vas exactement à la même vitesse. Vraiment, les glissades, ça sert uniquement dans les descentes. Voilà, à ce qui paraît. Ce qui serait assez logique en vrai de vrai. Ça par contre, ça, les décales comme ça avec les glissades, ça je pense c'est un vrai move qui va être trop... Wow. Vraiment, le mec en face, il peut pas te toucher. Hein. C'est impossible, vraiment, le mec en face... peut vraiment rien faire je pense. Après les pompes sont éclatées donc en vrai d'ailleurs vous allez voir dans la vidéo, le piste control est beaucoup plus impressionnant avec la glissade et permet d'avoir plus de murs. Hein. Ouais mais ça c'est trop vraiment ça faut... Ça c'est des mécaniques les gars, je peux mentir, va falloir les avoir hein, parce que ça va être trop important. Hein. Alors par exemple ça je crois que ça sert à rien. Ça pour le coup, extend comme ça c'est useless je crois. Voilà, c'est ce que je parlais. Bah en fait, grâce au glissade, vous pouvez mettre des murs à haut autour alors qu'il y a un mur devant et tout. Vous pouvez faire plein de choses. Et honnêtement, ça, c'est vraiment fort. Ça, les glissades là-dessus, ça va être incroyable. En gros, tu peux mettre un escalier one shot. Ouais, on le voit, les décales glissades vont être vraiment trop fortes. C'est comme les décales à droite, on les a appris tard en vrai, les décales à droite, tu vois. Enfin, tard. Bah, y compris, quoi. Ouais, bon, ça... Ouais, bon, ça, bon. Pas voilà, quoi. Ah, ouais. Ouf. Ouais, mais ça, mais attends, mais quoi mais, en fait, il y a des moves, frère. Moi, je sais que je vais mettre vraiment du temps à arriver à les faire. Hein. Attends, quoi? Attends, un mur low HP, tu fais comme ça. Tu glisses au côté, tu te retournes ton escalier. Ouais, frère. On est où? On va vraiment passer à travers, c'est trop fort. Hein. Mais du coup avec les glissades je pense qu'il va y avoir un nouveau système de build aussi. Je vais vous montrer ça sur Twitter après. Oh ouais. Ouais mais ça... Ouais mais faut avoir 12 ans sur le jeu. Là il faut des réflexes de fou en vrai. Ouais, en vrai tu mets beaucoup de chapeaux à travers. J'ai l'impression que vraiment les glissades ça permet vraiment d'améliorer ton piste control. Incroyable. J'ai l'impression que tu mets vraiment des murs partout mais... Ok. Et là maintenant les gars... Je vais vous montrer du coup ce qui s'appelle eh ben, les nouveaux builds. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Twitter directement. On est 35 000 d'ailleurs, merci beaucoup. Et les gars, j'ai fait une petite blague comme quoi je cherchais un last pour le Frosty Frenzy alors que c'était en 2019. Oui, bon, je suis un enfant. Bref, c'est simplement ces edits-là. Donc par exemple, on pourrait éditer en bas, comme ça on pourrait glisser directement, éditer à gauche, éditer à droite, deux edits. Bon, celle-ci, je ne sais pas comment ça fonctionnerait, tu vois. Mais pour le coup... Je pense que ça pourrait être une bonne chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En vrai de vrai, ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas mal, je pense. Ensuite, les gars, on passe à Nico. Nikos YouTube. Ensuite, il y aura Ewars. Bref, il y aura plein de gens. Alors, Nikos, je le connais pas du tout. Mais honnêtement, c'est Ewars qui me l'a envoyé. Il m'a dit qu'il était grave chaud. Du coup... Ouh. En vrai, what the fuck, là. Parce que dites-vous que ça va encore plus vite, là. Waouh. Ah, il est dit tellement vite. C'est tellement fluide, wesh. Mais il m'accro. Quoi? What? Ok. Bon, en vrai, c'est stylé, hein. What? What? Oh my... Non, mais c'est... What? Comment il y a des mecs qui sont vraiment bons au jeu, hein. Mais mec, c'est impressionnant. Son level... Ah, franchement, comment ça le mec, il a que 1800 abonnés. Bon, un monstre. Ah, franchement, je suis choqué. Ensuite, Ewars, vous connaissez sûrement. Ewars nous a fait un petit highlight sympathique.
Mais là, les glissades comme ça, c'est plus pour faire du beau move, je pense. Les glissades dans ce style-là, je pense, c'est plus en mode styled qu'en mode vraiment utile, tu vois. Genre pour les highlights, ça va rajouter un nouvelle mécanique, ça va être cool. Ah, les highlights vont vraiment devenir sympas, je pense. Les highlights vont être cool, en vrai. Ouais, sympa. Sympa, mais je pense vraiment les glissades comme ça, c'est plus pour faire beau. Je pense vraiment que les glissades comme ça, les gars, ça va juste rajouter de la beauté, plus que ça va être vraiment incroyable pour le gameplay. Juste avant de vous montrer vraiment les beaux moves, je vais vous montrer des petits clips sur Twitter que j'ai vu, par exemple, de ZQ. Bon, après, c'est pas moi avec des glissades, hein, mais bon. Tu dis ça, bon, c'est pas vraiment une mécanique avec la glissade, mais le clip était stylé. Et ensuite, ce clip-là, et c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est pas vraiment utile les glissades, mais ça va vraiment faire des beaux clips, en fait. Bon, après, les gars, c'est la qualité Twitter, hein. Allez, ça fait des beaux clips, en fait. Bon, après, on voit le petit moins 25 au pompe. Par contre, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les gars, Twitter, comment ça se fait que les vidéos soient toujours de aussi mauvaise qualité? Et aussi, les gars, j'avais oublié Brux, qui nous a fait une édite, je trouve, assez incroyable. Il est vraiment bon. Honnêtement, le skin Spider-Man, je trouve incroyable. Franchement, c'est la première fois que le pass de combat, je me dis, le skin est sympa. Le skin est sympa. Et Brux, en vrai, il est bon, hein. Il est bon, mais c'est vraiment, comme j'ai dit, hein, ces slides-là en glissade, bon, c'est plus pour flex, en vrai. Il rajoutait vraiment un nouveau style de gameplay, hein, que vraiment, je pense, utile en soi. Mais Brux, qui est bon. Je devais me le montrer quand même, parce que 263 000 vues, 200 000 abonnés, un bon niveau. Et voilà, donc voilà, Brux, pour ceux qui connaissent pas, assez sympa. Ensuite, alors du coup, on a ce youtubeur qui s'appelle, les gars, Jivan TV, qui montre pas mal d'astuces. Alors honnêtement, je suis assez mitigé, il y a des trucs, les gars, vous allez voir. Bon, il y a ce move-là, honnêtement, vous allez voir, je sais pas ce que vous en pensez, mais genre en mode, là, il montre comment on fait et tout, et à la fin, vous allez voir, il montre comment, voilà, cette technique-là. Moi, je trouve pas ça incroyablement, enfin, en fait, je me demande si ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Genre, est-ce que vraiment la glissade te permet d'aller plus vite? Ouais, je sais pas. En vrai, on en est qu'au début, mais je pense qu'il faut tout tester, on verra, hein. Mais par exemple, ce genre de move, je sais pas. Je suis pas sûr, je sais pas. À voir, à tester. Alors là, c'est pour extend. Alors vous allez voir, moi, je suis pas... Enfin, en fait, je me dis, à la limite, quand t'extends, peut-être que le hype peut un peu moins bien te toucher vu que t'es un petit peu allongé, mais je suis assez mitigé. Vous allez voir, il va montrer ça juste après. Mais bah, après pour Piece Control, ça l'a vraiment fait, voilà. C'est extend comme ça, en triangle. Je sais pas. J'ai l'impression que tu gaspilles beaucoup de build. Après t'es peut-être moins vulnérable, je ne sais pas du tout, mais les extends à voir, moi je suis... Je sais pas. Franchement j'en ai aucune idée. Après des extends comme ça, pour moi c'est useless, hein. Vraiment les gars, genre tu ne vas pas plus vite. T'as une impression d'aller plus vite, mais tu ne vas pas plus vite en fait. Donc en vrai je pense pas que c'est worth ça par contre. Et ensuite, les gars, il va montrer quelques clips. Donc voilà, moi je pense vraiment les glissades, il va y avoir quelques trucs stylés, mais la grande majorité, ça va être du clip. Hein. Ça va être vraiment pour ajouter un nouveau. Voilà, des nouveaux styles. Après, en vrai de vrai, pour éviter des balles, etc., je pense qu'il y a un truc à faire, vous voyez. Genre en mode, parce que quand tu t'accroupis et tout, tu glisses, c'est grave dur déjà, vous savez, il y avait la technique de s'accroupir, etc., pour être compliqué à toucher. Là, je pense qu'il y aura vraiment une mécanique de slide de tous les côtés et tout, et ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Donc, honnêtement, je pense qu'il y aura un petit peu des deux. Genre en mode vraiment useless, mais stylé à regarder. Et vraiment, waouh, intéressant à voir. Ok, bon, par contre, la méta PM, hein, on connaît. Bon, après, la glissade a rien servi, hein. La glissade a absolument rien servi. Mais après, vous voyez, la glissade comme ça, je me dis, le mec en face, il a peut-être du mal à vous viser. Parce que votre vitesse, elle est un peu plus bizarre, quoi. C'est sûr, mais c'est des mecs qui vont théoriquement de ça de fou, hein, c'est sûr. Hein. Et encore, là, je pense qu'on vraiment va avoir les vraies stratégies, je pense, aux prochaines compétitions. Parce que forcément, aux compétitions, tu vas pas cacher ta strat. Donc je pense qu'au prochain FNCS, etc., on verra des vraies stratégies là-dessus. Et ça va être cool, hein. Parce que là, forcément, les mecs, ils vont pas commencer à montrer les vraies possibilités de la glissade. Hein. Et voilà, le piece control comme ça, je me demande. Hein. Oh non. Bref, en tout cas, je vais pas non plus vous montrer les clips parce que je trouve qu'on est vraiment qu'au début. On est vraiment qu'au début, les gars, des glissades. Je pense qu'il y a encore plein de vidéos qui vont sortir, plein de réactions et tout ça, de ça. Vous avez vu le nouveau système de build, j'ai hâte de voir. Bah, si ça va être mis en place. Bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à donner ton avis en commentaire sur les glissades.
Moi, je pense qu'elles ont un énorme potentiel et que ça va vraiment un petit peu révolutionner le jeu, comme bah, tout simplement les poissons ont révolutionné le jeu, la nage a révolutionné le jeu, entre guillemets, tout ce genre de petites choses qui a vraiment changé le jeu, mine de rien. Bref, c'était Cocteau. N'hésite pas à acheter ton petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube, code créateur Cocteau et rejoins-moi sur Twitch, je suis sûrement en live. Bref, ciao!